the sunset view. I don't think it's that you're gonna want to. Give your arms and walk with me. I'm the whatever. Alright, tale of us time. It's all sorted. Except for the small matter of the rider. They want to get picked up in Enos Stafford. DJs these days, the fancy fucks. We ain't going to be able to rent a motor that pricey, so we'll have to lift it. And there happens to be one on the back of a transporter not too far away. Chase it down, release the ramps, and watch it fall off the back. Easy peasy, innit? Alors, vous l'avez entendu, Dave Langlais nous a parlé. Épisode de Salut, j'en suis ici pour une nouvelle vidéo commentée. Et c'est ainsi donc pour du GTA V en ligne, toujours avec le DLC Nuit Blanche et Marché Noir. Alors maintenant, on va aller chercher un nouveau DJ, histoire de changer un peu du DJ de base. Je sais que ça fait déjà un moment qu'il est sorti, mais je me suis dit, bon, maintenant on va le faire ensemble. Il y avait pas mal de vidéos les derniers temps, c'est pour ça que j'ai du retard avec cette vidéo-là, en fait, c'est simplement pour ça. Parce que, voilà, il y a tellement de choses qui se passent et tout, donc faut forcément faire beaucoup de vidéos, notamment sur du Call of Black... Mais pourquoi il a tourné comme un bâtard, là, comme ça? Vous croyez que ça se fait, ça? Sur du Black Ops 4, bien évidemment, sur du GTA, sur tous les autres jeux. Et c'est pour ça que, voilà, il y aura de temps en temps des retards. Par contre, qu'est-ce qu'on a à faire, là? Tirer sur les chaînes pour faire descendre le rein. Ah ouais, carrément, ok. On change complètement de style. Ouais, par contre, j'en ai l'air en plus assez difficile à faire quand même. Alors attendez, on va réessayer, bien sûr. Alors bien sûr, j'ai dû recharger au moment où j'étais dessus. Allez, maintenant on y est. Ok, attention. Wow. Maintenant, les charnières secondaires, ils sont où? Ah ouais, ça devient pas forcément le plus facile. Hein. Ok, par contre là... Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si on a la bonne arme pour... Non, la grenade, c'est encore pire. Ouais, non, j'ai bien l'impression que ça, c'est quand même la meilleure pour ces genres de choses. Alors par contre, je sais absolument pas comment faire ça. Surtout que je vais défoncer les voitures d'abord. Avant de toucher quoi que ce soit, je vais toucher les voitures. Vous me connaissiez. Alors déjà, cette mission, je pense qu'elle est vachement plus simple quand on est à plusieurs. Hein. Parce que là, seul, c'est vrai que tirer aussi précis et puis en plus rouler aussi précis, c'est pas trop ça. Hein. C'est plutôt difficile. Surtout que j'ai l'impression que le camion, il va pas forcément doucement. Et en plus, ça suffit pas de tirer une fois dessus, il faut vraiment viser une fois. Bon. Voilà, maintenant on y est. Allez, maintenant j'imagine qu'il y a encore un troisième, non? Jamais 203. Voler là. Ah non, là, ok. C'était tout. J'ai absolument pas pensé que... Allez, deux, simplement. Mais si, c'est bien ça. Et en plus, on est recherché par la police, mais on a juste une étoile, ça va. Par contre, il y en a qui arrivent. Donc, on va voler. Et d'ailleurs, la Stanford, c'est aussi... une des nouvelles armes, une des nouvelles voitures du DLC qui a été rajoutée un peu plus tard avec le DJ. Oh là là là, par contre, les flics nous touchent. Et c'est pas forcément la voiture la plus rapide que j'ai jamais vue. Hein. On est pas vraiment au niveau des flics là. On va pas se mentir. Ça va être difficile. Et je suis au max, hein, je vous mens pas. Ah, par contre, ça fait un peu de bien. Mais par contre, je sais absolument pas. Alors pour l'instant, en plus, on a juste une étoile. Moi, je pense que ça, ça vaut un petit appel chez Lester. Parce que avec cette voiture-là, je sais que normalement, une étoile, c'est très très simple de le faire semer. Mais là, c'est pas trop ça, on va pas se mentir. En plus, il y a quelqu'un là. Effacer indice de recherche. Oui, exactement ce qu'on cherche. Voilà.
Ok, maintenant en plus il faut aller à l'aéroport de Los Santos. Et j'ai l'impression qu'on est suivi. L'Uvolo. En effet, on est suivi. Mais je sais pas si il nous suit volontairement. Ok, bon, c'était déjà une première partie bien tendue. Et est-ce que la voiture s'est réparée elle-même? Ah non, il y a quand même des trous là. Parce qu'elle n'est pas beaucoup cassée en fait, à part les vitres. Je pense qu'elle a un blindage de ouf. Parce que j'ai pas vu au moment où elle s'est réparée ou pas, parce que elle m'a l'air assez neuve encore. Mais visiblement, on l'a pas trop endommagée. J'ai fait de mon mieux. Oula, 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 oula. Ça pousse là derrière. C'est le gars qui nous suit. Qui fout un peu la merde là. Ok, maintenant il faut aller à l'aéroport de Los Santos pour chercher les membres de Tale of Us. Nous voilà arrivés à l'aéroport. Maintenant il faut juste encore trouver les membres de Tale of Us. Ils sont là, je pense. Ici dans le coin. On va klaxonner un petit coup. Hein, on peut pas klaxonner, ok. Ah, ils viennent déjà. There you are. No, the prima donnas aren't here yet. I mean, the music's great, but seriously, rock and roll, really gone to their heads. Yeah, they get like that, celebrities. One time, right, I was out, you know, and oh, here they are. Hey, Dave. Lads, lads, peace and love. Big up the London Massive, yes, yes. Shall we get in the car? I hope it's good enough. Même pas ils nous disent salut à nous, alors que c'est nous les patrons. Oh, yes, my son. Je suis pas juste chauffeur, moi je suis aussi patron de la boîte, donc parlez-moi un peu. Okay, driver. To the club. Chauffeur, non mais ça y est, c'est... C'est la fête ou quoi? C'est moi qui gère tout là, et puis il m'appelle chauffeur. J'espère que c'était juste une blague. Hein, Dave? To be quite honest, chaps. I was expecting a little more enthusiasm for the old mode of transportation. It's the anus, isn't it? About as easy getting hold of one of these as it is to piss out a bowling ball. It's a nice car, but you know, you didn't have to. You could have Santa Limo or anything. Any old limo? Fucking hell, hold on a second. You mean that wasn't your rider? An anus Stafford, 2 gallons of mezcal and a swimming pool of rubber duckies? Nah, oh, on vous cherche avec une bonne voiture là et tout. Yeah. If the setup is right, we're good. Blooming, eh? Hey, maybe l'installation est bonne. Must have been Laszlo's list. Poser. That's the owner, by the way, lads. Been jumping through hoops trying to get this. Oui, voilà. To meet you. I'm Matteo. Carmine. Great to play the club. Well, enjoy the luxury, lads. Even if it wasn't exactly requested. And if you want those rubber ducks, you say the word. Alors, je suis quand même rassuré. Il a quand même précisé qu'on était patron. Ça me tient beaucoup à cœur de que tout le monde le sache. Non, mais en vrai, je trouvais ça bizarre. En fait, à l'aéroport, on cherche vraiment comme si on serait juste chauffeur, là. Et puis, c'est vrai qu'ils nous ont même pas dit salut et tout. C'est un peu chelou. Mais bon, c'est comme ça. Les DJs, c'est des personnes un peu bizarres. Mais tant qu'ils font la bonne musique, tant qu'ils font venir du monde au club, moi, ça me dérange pas. De toute façon, après, on n'aura plus grand-chose à faire avec eux. Par contre, je me demande un peu ce qui se passe avec notre Solomon, qui est déjà DJ maintenant, actuellement. Je pense qu'il va devoir rentrer chez lui. Ou alors, on pourra switcher un peu entre les deux. Ça, ce serait encore mieux. Ça serait top. Mais on verra. Pour l'instant, il y a encore Solomon. Dessus. Ok, Solomon qui s'en va. Ouais, ça a l'air pas d'être un au revoir pour jamais. C'est... Je pense qu'on pourra quand même le rappeler. On va essayer, bien sûr. Ok. Maintenant, c'est donc le nouveau DJ. Oula, le silence. Ok. On va danser un peu dessus. Bon, pour l'instant, il fait durer un peu le suspense.
Ok. Nickel. Pour l'instant, c'est pas aussi bruyant que Solomon, mais je pense que ça va venir. Voilà, pour l'instant, il fait un peu. En mode, ouais, là, déjà, il ajoute un peu. Ok, très bien. Alors déjà, ça a fait monter la popularité au maximum. De nouveau, ça fait plaisir. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est que... Comment... Merde, j'ai fait les caméras. Ça m'arrive à chaque fois ici. Comment ça se passe avec Solomon? Est-ce qu'on peut, à tout moment, faire le changement entre les deux? Ou est-ce qu'il faut, si on veut Solomon de nouveau, il faudrait de nouveau aller le chercher? Ou alors, est-ce qu'on pourra plus jamais prendre l'ancien DJ? Alors, tout ça, je vais voir. Le mieux, bien sûr, ça serait qu'on puisse changer à tout moment. Réengager. Ok, alors, il n'y a pas écrit, disons, si... faut le rechercher, mais je pense... Mais bon, après, ça coûte plus que 10 000. Donc, moins cher que ce qu'on vient de payer les 100 000. Parce que pour Tale of Us, on a payé 100 000. Alors, je ne sais pas si peut-être les Tale of Us, si on veut les réengager, ça coûtera de nouveau 100 000. Sans avoir encore, mais je pense pas. Mais en tout cas, ça peut vraiment être sympa. En tout cas, déjà, c'est deux DJ. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Mais maintenant, il faut voir comment ça va se présenter. Parce que bien sûr, payer 10 000, enfin 100 000 pour un nouveau DJ, c'est cher. Il faut déjà que y a une certaine entrée d'argent pour que ça soit de nouveau rentable. Ok, en attendant, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur GTA Online. Et puis, bien sûr, pour plein d'autres vidéos. Salut, Jean. Et profitez bien sûr du soleil et du beau temps. N'oubliez pas, on est en été. I've never heard anything like it. Tale of Us are my new room.